Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur City Skylines. Et dans cet épisode, on va s'occuper d'équilibrer un peu nos productions et importations-exportations de marchandises, car comme vous allez le voir, alors sur le... C'est forestier ça, hein ? Ouais. Sur le forestier, j'ai réussi à équilibrer. Et c'est, j'en suis satisfait là d'avoir calculé un peu tout ce qui est production de matières premières, puis de transformation. Qui du coup, vous allez voir, je vais vous montrer ça. Sur les forêts Underhill, voilà, on a 100% de production propre. Aucune production, aucune importation. Et normalement, si on regarde, on est en équilibrage, donc. Voilà, pour le coup, c'est équilibré. Par contre, ici, on a beaucoup trop d'importations. Donc, il va falloir agrandir tout ça. Et ça va être le thème de l'épisode, ce qui devrait aussi, je pense, j'en suis pas certain, mais endiguer un peu la demande industrielle. J'ai mis quoi comme route? J'ai mis ça. Ouais. Donc on va refaire les calculs rapidement là. Je suis droit ou pas là? Tu vas arriver jusqu'ici en fait. Voilà. Je pense même qu'on va faire un retour en longeant la route. Enfin la route, la voie ferrée. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Et on va se raccorder ici. Vous avez traversé la voie ferrée, les gars. Je sais pas si vous avez vu. Donc, alors. On n'a pas assez de production, tout simplement. Donc ça, c'est de la production. Pourtant, je l'avais calculé. Et ici, on transforme. Donc on va voir notre capacité de transformation. Sur les cultures, donc la meunerie, où est-ce que je l'ai ça? 4800, on va compter 5000. 15000, et toi? Pourquoi les productions? On va compter 3000. 1, 2, 3, 4, 5. On a plus de production, qu'est-ce qu'on importe? Ah non, on transforme les cultures en produits animaliers. J'ai rien fait. Ah si, c'est ça, j'ai pas assez de culture. Ouais, c'est ça. Quoique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, je pense que c'est ça, ouais. Hop. T'as d'ailleurs. On va venir jusqu'ici. Voilà. On va refaire quelques routes. Toi, on va pouvoir te prolonger. Espace déjà occupé. Mais non, qu'est-ce que tu me racontes? Bon. Ah, il y a un mini décalage. Ces trois notes là que vous venez d'entendre, je sais pas pour ceux qui ont joué à Final Fantasy, ça y ressemble énormément. Bon, on va se réaligner comme ça. Voilà. Donc, est-ce que tu rentres déjà? Ça fait du 8000 par semaine, champ de culture. Bah parfait. Donc, deux, on a une. On soutient une production. On met 4 pour être sûr. Au pire, on exportera. Voilà. 4. Faut que je me demande si je m'aime pas. On peut mettre les grands champs de culture ici.
2, 3, 4. Grand champ de culture, c'est combien? 12 000. Non. 11 000. Ouais, je suis à 45 000 là. Et 8 x 4, 32. Ouais, donc ouais, ça devrait. Ça devrait grandement. Grandement améliorer les choses. Sur les vergers, on peut en mettre 2. Et ici, pareil, je pense qu'on peut en mettre 2. On va mettre les stockages ici. Vous manquez d'eau, oui. Ça arrive, d'ailleurs, il va falloir commencer à en pomper d'autres. De l'eau. Ah ouais, ça ressemble tellement à Final Fantasy, cette musique. Enfin, cette musique, ce thème. Ouais. Alors, on pompe notre eau toujours par ici. On peut continuer. Mais c'est surtout qu'il va falloir... station d'épuration écologique. Ok. Après, ça assainit complètement. Est-ce que j'ai besoin... ouais, bon, on va en mettre une de plus. Ça coûte pas grand-chose. Oui, par contre, tu vas pas vouloir me les mettre où il faut. Je vois pas si je me connecte, en fait. Ah, là, oui. Ah, il fait nuit, mince. Ouais, il y a vraiment de la vie ici, je suis content. Ah, vous avez des problèmes de... Oui, bah écoute, vous êtes à côté du stade de foot, fallait pas acheter ici, les gars. Donc, revenons. Je les ai perdus. Ah, merci l'éclair. Revenons, hop, à nos moutons, c'est le cas de le dire. Donc, je pense qu'ici... ça devrait équilibrer un peu. Ah voilà, production propre, regardez, on a inversé. On a inversé, c'est parfait. On a moins 20 000, waouh. Ouais, mais c'est fluctuant avec... voilà, ouais. Il suffit de faire des ventes et c'est bon. Je vérifie comment ça évolue. Farine, c'est les farines en fait. Où, on produit pas assez de farine. En même temps, ici, les cultures, t'en as. J'ai pas mis stockage, c'est une erreur. Bon, en même temps, on en a plein, vous êtes plein, vous? Non. Ouais, non, il y a de la marge. Il y a pas mal de marge. Ouais, non, ça c'est bon. Bon, on a de la demande résidentielle. Ça, c'est cool. Ici, on commence à y avoir des embouteillages. Toi, t'es la route qui arrive. Ok. Ah mais non, les embouteillages sont dus au train en fait. Attends, non, c'est pas le train, c'est ça. C'est pas ça que je veux, c'est ici. Ah mais vous devez déjà aller tout droit, qu'est-ce que tu me racontes? Donc non, c'était bien ça. Ici, je vous donne la priorité, ça change quelque chose. Et ici aussi. Non, en fait, c'est un cédé le passage, et c'est le train qui a la priorité. Voilà. Pourquoi vous vous arrêtez? C'est pas un stop. Je comprends pas. Voilà, bon là il y a un train, je veux bien. Ouais, je suis pas convaincu là. Mais bon, soit. Attends, je vais voir un truc. Eh ben, je peux pas le choper lui. Ah mais non, mais je suis avec...
Aucun passager. Et toi, tu repars avec des passagers ou pas? 7, ok. Bon, ok. Bon, je pense qu'on a un peu équilibré les choses. Est-ce que les stockages, il y a besoin de plus, je sais pas. Bon, ce que j'avais dit, qu'on a oublié, c'est... ça va être où? Dans les transports. Je crois que j'en ai pas mis de la poste. Ouais, j'ai mis un bureau de poste au début, je pense que j'y ai pensé, après terminé. Alors un centre de tri, je pense qu'il irait très bien par ici. Et après on mettra des petites antennes, donc c'est bien ça. De gros camions récupèrent le courrier depuis les bureaux de poste locaux, voilà, et l'emmène dans les centres de tri. Ici le courrier est trié et catalogué en lot pour être livré aux destinataires locaux et à ceux qui résident en dehors de la ville. Ok, donc c'est le courrier international quoi. Enfin, extra cité. Ok, tu veux pas, alors on va te faire une petite route. Voilà, on va venir se raccorder là et là. Non, ça va pas être possible. Bon, mais reste comme ça, c'est pas très grave. Dans les transports, je sais pas pourquoi je prends des déchets à chaque fois. Oh non! Non, pas pente tranquille, c'est pas vrai. Regarde. Toujours pas. Mieux. Allez, on étire tout ça. C'est con, j'appuie plus fort sur la souris quand je veux que ça fasse ça. Allez. Faut le pousser plus loin, c'est ça? Faut que je pousse ça pour avoir le droit, si je comprends bien, de pousser ça. Bon, et on va aller plus vite. Force de brosse. J'y suis peut-être un peu fort là. Allez, monte-moi ça. Voilà. Quand même plus rapide. Pas forcément suffisant, mais plus rapide. Posera le centre de tri. Et on pourra rééquilibrer le dénivelé. Normalement il passe là. Voilà. Et maintenant on corrige. 39 000, on progresse, on progresse. Force de brosse, là tu peux me mettre du 1. Non! Je me suis planté. C'est ça. Mieux. Beaucoup mieux. Qu'on fasse pas un truc trop dégueu.
Bon, je vous aurais certainement coupé ce passage, je sais pas. Je crois qu'on est... Ça fait déjà un petit moment que je tourne. Ouais, je vais le couper, je pense. C'est pas joli, je sais, mais sauf qu'on l'oublie, ça. Et donc, c'est pas très important. Bref, alors... C'est quoi que j'ai mis? Je viens de me réaliser un truc, là. Mon stade, il est où? Là-bas. Là, waouh! C'est des dépôts de taxi que j'ai mis, je crois. Ouais. Donc il va me falloir... des arrêts. Voilà. On pourrait mettre des arrêts ici devant l'opéra. Voilà. On va faire la poste, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'ici, ça... en plus il y a les bus, parfait. Ici, ça gênera pas. Et c'est... de ce côté, je peux pas. Bon, et bien, ah oui, c'est une route à sens unique. Je pense que c'est ça. Donc là, ça gêne pas qu'il y ait un peu de bruit. Ici, on a le métro. Ah mais c'est pas... Je suis con, c'est pas la route. On a le métro, donc on peut mettre du taxi, ça n'est pas gênant non plus. Et si les gens veulent venir travailler en taxi, pourquoi pas. Eh ben c'est pas la route ça. Là tu veux bien, là tu veux pas, bon mais viens ici. Voilà. Et puis on va en mettre ici, pourquoi pas. Voilà, alors la poste. Un petit bureau de poste. Alors les gens habitent là, on va peut-être pas forcément la remettre taper ici, ce serait pas mal. Ici, on va en mettre un. Ici. On passait les 40 000 habitants. Impec. Alors ouais, la poste. Poste à côté de la gare, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais pourquoi pas ici finalement. Non, attends, la statue ici. Ouais. Comment ça se passe? C'est tout? Tu desserres que ça? Ah. Ouais, non, en vert, j'ai la portée, tout va passer en bleu. Ici, on va vous mettre un petit bureau de poste. Pourquoi pas là? Ici, pareil, il y a une petite portée quand même de pollution sonore, donc on va essayer de pas les mettre dans les centres, vraiment centres de quartier. Ici, c'est des bureaux, on s'en tape qu'il y ait du bruit. Voilà. Ça donne quoi tout ça? Ça se bleuifie, gentiment. Oh, c'est bien jusque là. La portée est assez grande en fait, hein. Ouais, c'est en train de passer en bleu tout ça, c'est parfait. C'est le temps que les gens... Enfin, que les facteurs soient passés finalement. Ici, on va mettre un petit bureau de poste par là. Ça me paraît bien. Ah ben là, je vois bien la portée. Faut que je recule vite, mais... ici, pareil, on va mettre un petit bureau de poste. Pour vous. Voilà. La poste, pour envoyer des lettres d'encouragement à son club, pourquoi pas. Bah ici, ah non c'est le... Ah là tu veux pas, bah j'ai fait des chemins, je comprends. Donc la poste à côté de la télévision, pourquoi pas. Même vous en mettre deux. Pourquoi deux? Parce que on fait toujours les choses de manière symétrique, donc voilà. Y a rien de plus. Eux vont être desservis et c'est pas trop mal. Hein. Vous voulez un petit bureau de poste? Il y a des promos en ce moment sur les bureaux de poste. Un thème racheté. Bon, c'est pas trop mal.
C'est pas trop mal. Alors, il y a encore de la demande résidentielle et ça c'est cool. Ça c'est très cool, mais ça s'est rempli ce qu'on a zoné au dernier épisode. Donc on va continuer. Je suis en train de me dire qu'on avait dit qu'on ferait un petit parc. Enfin, un petit parc. Il était où? Il était là. Il prenait une place monumentale. Ah, j'ai les trucs de taxi là. By putting ringtones in every commercial that make you think your phone is ringing. Ok, donc là il serait même très très bien je trouve. Donc ce qu'on va faire, on va détruire toi. Voilà, on va détruire tout ça. Voilà, il y a du monde, ouais, je sais. Après, ils ont un accès ici, on pourrait leur en faire un ici. Bon, en même temps, ils pourraient passer là. Quoique, non, ils passent ici ensuite. Bon, si, en fait. Hein. Si, non, c'est bon. Ça va s'équilibrer petit à petit. Alors, ici, maintenant, on va pouvoir placer ce bâtiment. Je pense qu'il passe bien, là. Oh. Oh, c'est pas beau. Enfin, c'est pas beau. Ça, c'est pas beau. Ouais, non. Non, pas budget. Mince. Si je le mets là, plutôt. Ouais. Ce sera un peu mieux, je pense. La portée est immense. Bon, ce sera aménagé autour, hein. Ah ouais. La portée est immense. Ça manque de quelques parcs ici. Petit parc pour chien, pourquoi pas. Un petit manège du parc aussi. Parce que pourquoi pas. Ok. En fait, c'est con, mais... Oula, ça c'est possible. Les parcs, on les fait surtout de façon... Enfin, on les réfléchit. Par rapport à la taille qu'ils prennent, à la place qu'ils prennent, et à la taille qu'ils font. Ce qui est un peu con en soi, niveau en gameplay, mais... Ouais, ici vous avez pas de parc, on va vous aménager un truc cool, vous inquiétez pas, c'est pas encore d'actualité, mais on le fera. On a toujours besoin d'autant d'industrie, est-ce que c'est des bureaux qu'il vous faudrait, vous? Cette zone industrielle, je sais bien, mais les bureaux, on en a fait quelques-uns quand même. 41 000, allez, on n'est pas loin. Ici, bon, on va tester, voir si les bureaux s'installent, ils ont l'air de... Ça a l'air de fonctionner les bureaux, donc... On va continuer. Voyons voir, maintenant qu'il y a des bureaux qui vont s'installer, est-ce que les icônes passent de marchandises à vendre? Attends, je vais voir un message, c'est quoi? Sur les décès, on n'est pas bien? Tu rigoles, on a une couverture décès, une couverture obsèque, pointe de la technologie. Ah, ici, ouais, ici il y a quelques décès, je sais pas. C'est pour le joueur de foot décédé surtout. On va mettre ça par là. Là-bas ici. Oui, ça j'ai mis. Les écoles d'ailleurs, on en est où? On est juste... 89% d'habitants diplômés, c'est limite trop en fait. Ouais,
beaucoup des traits d'instruits. Une bibliothèque, j'ai même pas pensé. Alors attends, juste la bibliothèque, rappelle-moi. C'est du divertissement, la bibliothèque. Ça me donne un petit bonus d'éducation au rayon du bâtiment. Ben en face du parc, la bibliothèque. Ok. Après, c'est tous les trucs alternatifs. Institut de technologie moderne, ok. On est déjà rempli. Ah, la demande résidentielle explose. C'est cool. Eh ouais, quasiment. Du coup, on va pouvoir refaire ce quartier. Gazon, c'était ça que j'avais mis. Non, piste cyclable. Putain, mais parfait. Ici, on se raccorde à l'autre embranchement. Attends, est-ce que là je peux faire du terraforming avec la route? Bof. Qu'est-ce que je fais là? J'adoucis. Ok, allez, c'est pas mal. On va pouvoir faire beaucoup plus de toute manière. Ouais, c'est bon, t'as retrouvé ton arrêt, toi. On va mettre des arbres pour camoufler la misère. Qu'est-ce qu'on a? Arbre feuillu. Et c'était quoi ça? Aulne, oh, pourquoi pas. Parfait, l'arrêt devant la bibliothèque, j'adore. Ok. Bon, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Ça grandit gentiment, ça grandit plutôt bien. Ici, vous allez, je pense, apprécier vivre ici. En fait, les gens veulent principalement rentrer par ici, dans les quartiers. Après, ça se tasse. Voyons voir si je fais... finalement, juste une bretelle d'autoroute. Une bretelle d'autoroute pour rentrer. Voilà. Ici pour sortir. Un petit demi-tour. Ici pour sortir. Enfin, rentrer de l'autoroute, pardon. Ici pour en sortir. Est-ce que ça réglerait pas le problème? Si, carrément. Par contre, quand t'es là. Non, mais attends. Il y a un bug là. Hop, toi, tu vas à droite, tu vas pas au centre et tu vas pas à gauche. Voilà. Non, j'ai pas fini en fait. Toi, on va y arriver. Idée. Ah ben non, oui, toi tu peux rien faire d'autre qu'avancer. Ça bouchonne ici aussi, normal. Et on va terminer là-dessus. Ici, 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 ici.
Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi je peux pas? Ah. Voilà. Et ici. Voilà. Par contre, on va faire la même chose. À droite, tout droit, oui. À gauche, non. Toi. À droite, tout droit, oui. À gauche, non. Voilà, beaucoup mieux. Oh, ce merdier. Oh là là, on se croira à Paris, quoi. Ici, on a un feu, je sais pas. Yes, on a un feu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un CD le passage, ça suffira. D'ailleurs, ici, c'est pas tip top. Ah, mais attends. Mieux. Beaucoup mieux. Donc on va céder le passage, c'est suffisant. Ici, on va faire pareil. Donc là, on est sur la voie de droite. Et là, oui, là c'est bon. Donc ici on ressort. Et là c'est pour y entrer, oui c'est ça. Voilà. Et ici c'est pour ressortir. Voilà. Est-ce que ça change le chemin public? Ça bouchonne pas mal. Non mais vous vous tournez pas à gauche les gars. C'est mort. Voilà, et toi? Toi tu tournes pas. Alors attends, je suis en train de me perdre. Toi tu tournes pas à gauche. Ok. Mais je viens de dire quoi? Il a tourné à gauche, l'enfoiré. Lui là, oh, la petite rouge. Voilà, mieux. Ici, on va mettre un CD le passage. Et ça devrait à peu près fluidifier les choses. Ici, en tout cas, ça a fonctionné. En même temps, c'était plus logique. Ici, CD le passage, ça suffit. Hop. Voilà, bon, c'est beaucoup mieux, beaucoup mieux. Là, pareil, il va falloir arrêter, faire n'importe quoi. Ah, et puis ça va être un peu plus lent, tant pis. Donc là, c'est pour aller dans ce sens. Pourquoi tu veux pas? Parce que ça... Voilà. Voilà. Le CD le passage qui va bien. Alors attends, non. Ouais, voilà, c'est ça que je veux pas. Tu vas pas à gauche, ici. Ou tu peux pas aller à gauche. Toi, tu peux aller que tout droit. Et ce que je veux, c'est qu'ici, tu n'ailles pas à gauche. Voilà, mieux. Bon, on va cesser ici. On avance gentiment. Notre quartier Laurier qu'on pourrait renommer, mais j'ai pas forcément d'idée pour l'instant. Ah, il est vraiment cool ce parc, je sais même pas comment il s'appelle en fait. Je sais même pas comment il s'appelle.
C'était quoi que j'ai mis? Parc central, d'accord. Ouais, va vraiment falloir l'aménager bien, ça. On a en plus des... Ah, mais une sortie de route, carrément. D'accord. Bon, je vais y réfléchir. Je pense qu'on verra ça pour la semaine prochaine. Ouais, je sais. Je sais, mais vous aimez ça quand ça dure plus longtemps. Quand les épisodes durent plus longtemps. Hein. Ne vous méprenez pas. Y a un bug, là. Mais espace déjà occupé, tu es sérieux? Ah, il y a un petit bug là. Ah, mais il y a plus qu'un petit bug. Non, ça c'est le métro. Tu m'as enterré la route, c'est ça? Ouais, je crois qu'il m'a enterré la route. Ça marche mieux comme ça finalement. Allez, va jusque là, ok. Espace déjà occupé, faut que j'apprenne où la route. Attends, si je fais ça. Encore espace déjà occupé. Là, on n'est pas bon. Si on fait la croix d'anarchie. Ça donne quoi? Ça donne un truc très bizarre. Ah, il y a un petit décalage. Elle est là, la route. Je vais pas réussir à la choper ici. Bon, c'est pas très grave, on verra plus tard. On verra plus tard. Bon, allez, on se laisse ici pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que cet épisode vous a plu. Et voilà. Allez, bon week-end.